courras-tu? Vers qui vas-tu courir? Where will you hide? Où est-ce que tu vas aller te cacher? The king is coming. Le roi est en train de revenir. The church in Montreal. L'église à Montréal. What happened to you? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Why did you go to sin? Pourquoi tu es allé pécher? Today is the day. Aujourd'hui c'est le jour. To return to the Lord. De retourner, de revenir au Seigneur. Everybody return to the Lord. Tout le monde doit revenir au Seigneur. Time is over. Le temps est fini. Those ones who have come. Ceux qui sont venus. Just lift up your hands. Ceux qui sont venus, juste levez vos mains. And repeat this prayer. Et répétez cette prière. You may have been in prostitution. Peut-être vous étiez dans la prostitution. Alcoholism. Dans l'alcoolisme. Drug addiction. Dans les drogues. It does not matter anymore. Cela n'est plus important. At this moment. Cela n'importe peu en ce moment. You have to return to him. Tu dois revenir à lui. The Bible says, la Bible dit that even the birds in the sky, même les oiseaux dans le ciel, when the winter is coming, quand l'hiver arrive, they can detect, ils peuvent détecter, and return home, et retourner à la maison. Otherwise they will die. Sinon ils vont mourir. Even you, the Church of Christ in Montreal. Même vous, l'Église de Dieu à Montréal. Then how much more? Combien plus fort? You that have the Holy Spirit. Vous qui avez le Saint-Esprit. Can you detect? Pouvez-vous détecter that the King is coming? Que le roi revient. Lift up your hands and repeat this. Levez les mains. Repeat it very loud before the Lord. Répétez ça à haute voix devant le Seigneur. Say, precious Jesus. Dis, précieux Jésus. I repent now. Je me repens maintenant. Of all sin. De tous mes péchés. Wash me today. Lave-moi aujourd'hui. With your blood. Avec ton sang. I receive you today. Je te reçois aujourd'hui. To be my Lord. D'être mon Seigneur. Beginning today. À partir d'aujourd'hui. Forever. Et pour toujours. Jesus. Jésus. Prepare me. Prépare-moi. For the wedding of the Lamb. Pour les noces de l'agneau. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I am born again. Je suis né de nouveau. I am praying right now. Je vais prier maintenant. Father, in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus. Mighty Lord. Dieu puissant. Lord, they have returned to you. Père, ils sont revenus à toi. Whatever they were doing, Jehovah. Peu importe ce qu'ils ont fait, Jehovah. You have canceled it. Tu as annulé cela. And I ask you, Lord. Et je te demande, Seigneur. To now cover them with the Holy Spirit. Maintenant de les couvrir du Saint-Esprit. And strengthen their walk in holiness. Et fortifie leur marche dans la sainteté. Establish your word in their hearts. Établis ta parole dans leur cœur. Never allow them to drift away from you again. Ne les permets pas de s'éloigner de toi à nouveau. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Even the sick. Même les malades. That now you may heal them. Afin que tu puisses même les guérir maintenant. And all of them. Et tous ensemble. That you may baptize them. Que tu puisses les baptiser. With your precious Holy Spirit. Avec ton précieux Saint-Esprit. Bless their homes. Bénis leur maison. Bless their jobs. Bénis leur travail.
Bless their families. Bénis leurs familles. Restore their homes. Restaure leurs maisons. Restore their marriages. Restaure leurs mariages. Their ministries. Leurs ministères. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.